Alors, nous y voici. Hop là. Ah, salut les orques, comment ça va? Bon, alors aujourd'hui, on est de retour avec de la peinture. C'est jeudi, après tout. Donc, on était sur ce troll pour mon équipe de Blood Bowl. Donc on va continuer là-dessus. On va continuer ce pantalon.
Ricou, 20e mois d'abonnement, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau. Bisous mon gars, ça va? Bonjour, bonjour. T'essayes de me réveiller, c'est ça? C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est que je me flagelle tous les jours parce que je n'ai toujours pas envoyé le Goku. Je me frappe la main. Mais putain, t'attends quoi, gros con? Tous les jours. Et le lendemain, je le revois sur son étagère. J'ai putain, mais t'as toujours pas envoyé ce truc-là. T'attends quoi, gros con? Et flac, il me tape sur la main. Je n'ai même pas la réponse à cette question. T'inquiète, il va arriver. Je crois que je suis tellement absorbé par mon projet du moment que j'ai que ça dans la tête. C'est tout moi ça de toute façon. Hein. Dès que je suis absorbé par un projet, il prend toute la place. J'espère que tu m'en veux pas trop, que ça prenne du temps.
Alors après, ça se trouve, le sub, c'est un truc automatique et je parle tout seul, j'en sais rien. C'est possible aussi. Hein. Ok, alors, est-ce qu'il y a d'autres cuirs que je veux de cette couleur-là? Ouais, super. Celui-là aussi, pendant qu'on y est. Ok. C'est ces dents qui sont toujours pas super lisibles. Hein. Je sais pas ce qu'il faudrait pour que ça soit plus lisible. Hein. Attends, j'ai déjà mis un petit coup de wash pour les séparer un peu, mais j'ai l'impression que c'est au niveau de la sculpture qu'il y a un petit souci.
qu'est-ce que je pourrais. Comme couleur. Ça pourrait être pas mal, ça va. C'est difficile à voir à l'écran.
my god! Wow! Hey, Mr. Seeker! Hello, hello! How you doing? Busy fixing the internet. Ah, shit. Something went wrong. Are you talking to me means you fixed it, or are you talking to me through your smartphone? And nothing is fixed yet. Salut Kalion, comment on va? Ah, ok. I thought he went down. So you're not fixing, you're preventing. Preventing another shutdown. Moi, ça va. Ça va plutôt bien, effectivement. Je me suis bien reposé. Je me suis couché à 9h30 hier soir, donc je suis bien reposé. Un putain de coup de barrière. À monter, descendre les matelas, les sommiers, les trucs dans la journée, là. So you got some shutdown, Mr. Seeger? What is shutting down? Is that the internet or the electricity? Work late. Okay, good. It's at work. I thought it was in your home. Aujourd'hui, ben on est jeudi, donc peinture figurine aujourd'hui. J'ai raté le coche la semaine dernière.
Ces plaques martelées là, à faire en NMM, c'est un peu la merde. Hein. Je me demande si je vais pas faire comme si c'était pas martelé, parce que c'est compliqué de savoir où la lumière tape. So waiting for my package to arrive took me a long enough. What package? J'ai réussi à choper un peu plus la technique ou pas? Ben ça dépend des surfaces, ça dépend des sujets. Des fois j'ai l'impression que je l'ai bien, puis des fois ça fonctionne pas du tout. Ça dépend des surfaces, ouais, c'est ça plutôt. Tu vois là par exemple, on a une genouillère un peu martelée. Donc il y a des creux et des bosses un petit peu partout, c'est un peu plus délicat. Ouais. Mais bon, c'est pour ça que je suis là le jeudi, hein, pour continuer à bosser la technique jusqu'à ce que ça fonctionne un peu plus d'une façon plus consistante, on va dire. Je sais pas si ça se dit vraiment en français. Mais bon, je suis assez persévérant, je pense, donc on va continuer à travailler. Hein. De toute façon, j'aurai ce que je veux seulement si, si je le travaille. Donc,
But talking about package, Mr. Seeker, I think I have one of yours that's still in my workshop, so if it's the one you're talking about, sorry, it's gonna arrive someday. I'm just my head is completely absorbed by my Aldwaron project, and yeah, I have some difficulty to think about something else. The end of the line will be in the end of the year, so I guess I will keep up with the other things to do when I will be there. But I know it's not acceptable, but that's the way it is for now. Outrageous, like we'll say, Ben. In Viva la Dirt League. C'est ça comme ça pour l'instant. Le temps de le laisser sécher et voir si les couleurs changent, parce que c'est souvent le cas. Je reviendrai dessus à ce moment-là. Là, on est sur la surface un peu plus plate, donc c'est un peu plus facile de faire un petit dégradé. Je vais me remettre du blanc là. Ah oh ben il est sur la table depuis tout ce temps, voilà pourquoi je le trouve plus. Alors donc on a du blanc en haut, du blanc en bas. On va se faire un petit dégradé entre les deux.
Et on va faire le contraire sur la face d'à côté. C'est un petit jeu de... C'est un petit jeu arlequin en fait, ces trucs de NMM là, pour que ça donne bien. Quand t'as plusieurs faces comme ça, les unes à côté des autres, en fait les facettes foncées sont à côté des facettes claires, et les facettes claires à côté des facettes foncées, ce qui permet un peu de détacher les... facettes. Faut juste que ça soit propre quoi. Ok, donc... Ça rend bien déjà, bah ouf, parce que ça commence un petit peu à venir et que et quelques règles que j'ai acquises. Ce que je te dis, ça t'as des surfaces, ça fonctionnait comme là parce que c'est des surfaces plates, donc j'arrive un peu à m'en sortir. Dès que t'as des surfaces un peu plus chiadées comme celle-là, là, c'est assez difficile à lire ce qui se passe. En fait, c'est ça, c'est que tu essayes de donner à la personne qui regarde la figurine, c'est une lecture assez, assez claire de ce qui se passe. Et parfois, c'est compliqué avec la figurine. Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est de la pierre? Des fois... Des fois, avec mon métal, je suis un peu entre les deux. Hein. Donc, on me reproche assez souvent que c'est parce qu'il brille pas assez. Mais, je n'ai pas forcément envie de faire un métal brillant sur un troll. Je préférerais avoir un truc un peu mat. Hein. Donc, du coup, je fais comment? Bon, puis là, il n'y a que du gris. Donc, il faut que je rajoute d'autres couleurs aussi pour ça.
pour que ça rentre bien. On va y mettre du marron, puis du orange surtout. Pourquoi orange? Ben parce que c'est un peu rouillé son truc. Donc là, je mets du orange dans tous les creux un petit peu où je sais que la rouille est susceptible de venir s'accumuler. Donc ça ajoute un petit peu aussi à l'effet métal un peu abîmé. Mais voilà, c'est pareil, je travaille seulement un certain type d'aspect de métal aussi, parce que c'est le métal qui correspond à mes orques et mes trolls, mais ce serait bien que de temps en temps je peigne quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je peins d'habitude, hein, comme j'avais fait avec les Space Marines. Truc de Warhammer 40 000. Histoire de travailler autre chose, quoi. Là, pour l'instant, je me peins une équipe, donc une équipe de Blood Bowl. Donc bon, comme ça, j'ai pas trop. Je travaille en même temps, j'ai pas trop l'impression de perdre mon temps, puisque c'est une équipe que j'aimerais bien jouer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Blood Bowl, c'est un jeu de football américain Heroic Fantasy en fait. Donc tu joues avec des figurines et c'est assez sanglant. Football américain. En plus, j'ai pris la décision de faire les pierres qu'il a sur le dos grises aussi. Je pense qu'il va falloir que je change d'idée.
Parce que ça va peut-être foutre le bordel avec le métal. Parce que c'est quand même assez rapproché. Et au niveau des couleurs, il faudrait peut-être un peu plus de différence de couleurs. Que du gris. C'est sa coquille, une coquille pour protéger les noisettes, hein. Je vais peut-être les faire rouge aussi du coup. Donc là, deuxième effet pas évident, on est sur du métal mais peint en rouge. Donc on a un petit peu les mêmes règles mais avec le rouge. Et encore une fois, on est sur des surfaces martelées, donc plein de facettes différentes. Sur celle-là, celle où il y aura marqué son nom, parce qu'il a un nom, jeune homme. Il me semble qu'il s'appelle Bernard. Oui, Bernard, je trouve ça très rigolo pour un troll. En tout cas, moi ça m'amuse, donc du coup je l'ai appelé Bernard. Et Hortensia, je lurk. Es-tu heureux? Ok, ça roule. Bon lurk. C'est quoi que je voulais peindre il y a deux secondes? Ah oui, les. Je l'ai pas vu, il avait des petites plaques en métal sur ses doigts.
peut-être faire des pierres blanches. Ça va peut-être ressortir beaucoup mieux les pierres blanches sur son dos. Et comme ça, ce sera un peu plus tranquille au niveau des... Enfin, ce sera plus lisible le métal si les pierres sont d'une autre couleur. Un peu fastidieux de repeindre un truc qu'on a déjà peint, mais quand tu penses que ça va améliorer considérablement l'aspect de ta figurine, je pense que c'est une étape importante. Faut pas trop hésiter à retourner un petit peu dans le truc. Là, ça donne pas grand chose, mais avec un petit coup de wash marron et un petit coup de brossage blanc, ça devrait ressortir pas mal. Et ce qui est bien, c'est que ça permettra au gris du métal de ressortir un peu mieux, ça permettra à l'anneau derrière là de ressortir un peu mieux. Enfin, ça va tout faire ressortir un peu mieux en fait. Donc ça me plombait un petit peu mon color scheme, ces pierres grises sur le dos. Ah, pourquoi tu les as fait en gris alors? Ben, je sais pas, réflexe. Parce que mes trolls de pierre, quand j'avais 20 ans, je les ai peints comme ça et je suis resté sur ce mode. Alors qu'il y a peut-être moyen de les peindre d'une autre couleur et puis ça se trouve, ce sera pas beau, hein? Puis je les repeindrai encore. Tout l'intérêt de peindre avec des fines couches. Permet de pouvoir repeindre s'il y a besoin. Il vaut mieux faire plusieurs fines couches plutôt que de partir sur un pâté là et puis recouvrir les détails. Et pour peu qu'en plus il faut repeindre encore une fois parce que c'est pas beau, ben ça aura encore plus de détails à repeindre et on verra plus rien au bout d'un moment.
Donc ne peignez pas épais, peignez fin. Trois fines couches pour avoir un aplat bien nickel, c'est mieux qu'une grosse couche bien épaisse. On pourrait croire que ça va être la même chose à la fin, mais pas du tout en fait. Parce que trois fines couches, tu perds pas du tout en qualité de sculpture. Alors qu'une bonne grosse couche épaisse, là, tu vas sûrement perdre un peu de détail. Sans parler des grosses traces de pinceau que tu vas laisser derrière toi. Bon, comme ça change tout de suite son look. Je suis en train de me demander si j'ai pas trouvé une idée pour intégrer la belote dans Aldwarun. Encore je réfléchisse au truc, mais
avec peut-être une histoire de troc au marché noir d'items de différentes races en fait, qui valent plus ou moins cher. Salut Manu. Tu vois, ça vaut plus ou moins cher et en fait tu deals un peu avec de la même façon que tu fais des points à la belote quoi. Et donc selon si c'est l'item à la mode du moment, si c'est l'atout, si c'est la race un petit peu, enfin l'item à laquelle appartient la bannière du moment, bah du coup ça vaut plus cher, etc. Tu vois. Et moi ça me permet de dessiner un peu des équipements. Ça pourrait être assez fun de dessiner des équipements parce que j'aimerais bien aussi. Et là pour le coup ce serait l'occasion de dessiner de l'équipement. Donc ce sera peut-être quelque chose comme ça. Donc ce serait que des cartes d'équipement qui appartient à 4 races différentes. Et en fait, par exemple, l'atout pour le tour, ce serait de quelle race ce serait la race quoi. Genre l'atout c'est l'équipement d'elfe. Donc sur ce tour là, ce serait des équipements d'elfe qui vaudraient le plus cher. Et du coup on reste un petit peu sur ce truc là. Ou alors ça pourrait justement être de l'équipement. Ouais. Ça pourrait être le jeu des. Le jeu qui permet de compléter les Bogarts. Les Bogarts n'ont pas encore leur jeu complet. Et là, ça pourrait être l'occasion d'avoir un jeu complet des Bogarts. Ou les trucs qu'ils créent en fait, tu vois. Ils ont créé des. On voit un petit peu ce qu'ils créent. Donc ils créent des items un peu plus pour les orques parce que voilà, ils savent que ça ils aiment bien. Donc tu as des items plutôt orques, tu as des items plutôt barbares par exemple, des items plutôt tu as quatre genres d'items. Et après on joue le jeu genre on est un peu sur le marché noir là et puis on essaye de récupérer le plus d'items possible. Et donc tel item vaut tant de pièces d'or, tel item vaut tant de pièces d'or. Et là du coup on reste vraiment dans l'esprit Heroic Fantasy du truc. T'as l'impression de jouer une autre histoire. Et, et en fait, tu joues à la belote. C'est un peu ce que je voulais. Et je pense que j'ai. Il y a moyen de faire un truc de ce genre-là qui tient la route. Donc, ce sera peut-être dans le prochain agenda. On fera des séries de 4 dans les agendas. Alors là, je vais attendre que ça sèche et je vais mettre un petit coup de marron là-dessus. On va faire un petit casque bleu là. Il a sur son accoudoir, il a un casque qui lui sert de protège le coude. On va le faire en bleu. Comment va Manu? Je pensais que tu étais avec tes docteurs encore, c'est pour ça que je m'inquiétais pas de te voir arriver, de pas te voir arriver justement. Alors, on va prendre un beau bleu pour ce casque. Donc, ouais, quand j'ai trouvé cette idée, j'étais plutôt content. Midi. Bon, là, c'est midi, hein. Je te dirai quand ce sera 11h30 plutôt. Mais en général, c'est midi, ouais. Aurore, elle. Maintenant qu'elle est à l'épicerie, elle mange là-bas tout le temps. Donc, c'est midi en règle générale.
Enfin, on voit qu'il a pris un bon pet sur la tête, le casque quand même, donc je pense que c'est un casque qu'il a récupéré sur quelqu'un qui l'a assommé. J'aurais pu mettre un peu moins de bleu. Alors moi, ce que j'en profite pour refaire mes veines qui se voient pas assez, j'ai l'impression. Pas que ça se voit trop non plus, tu me diras, mais. Plus. Non, encore une assistante sociale qui est venue maintenant, j'en ai marre, je mets le paquet, c'est devenu trop dur pour moi. Ah oui, non mais. T'as raison. Hein. Faut pas hésiter, hein. T'es vraiment en plus dans une situation où t'es complètement en droit d'avoir le paquet. Donc. Donc je sais pas si vous avez vu sur le. Je viens juste de le mettre sur le Facebook en même temps, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas vu. J'ai fait une petite un petit visuel avec quelques cartes en éventail et puis un petit speech, enfin un petit speech, plus une petite présentation rapide. Et j'annonce aussi que effectivement novembre, on lance les préventes directes en fait. J'ai pas besoin de passer par un truc Ulule parce que je pense qu'il y aura suffisamment de monde qui va l'acheter. En plus, j'ai du monde qui me demande aussi de l'acheter en direct à l'atelier. Donc si on passe par un truc Ulule, ben ça c'est pas trop possible parce que ça sera pas comptabilisé dans le. Ou alors faut que moi-même je balance l'argent qu'on m'a filé. Enfin, non, c'est chiant en fait. C'est chiant. J'ai pas besoin de 10 000 euros. J'ai besoin de 2 000. Donc, je vais me faire une petite liste bien propre. Et tous les gens qui veulent l'acheter en pré-vente, je l'écrirai sur la liste bien propre. Il y aura un truc avec un compteur quand même que vous ayez un update de là où on en est. Dès que j'ai fini les cartes, donc la prévente va se mettre en route. Dès que j'ai fini les cœurs, j'attaque un peu les trèfles et dès début novembre, je balance la prévente. Et en fait, pendant que je finis les trèfles, la prévente roule. Et dès que j'ai fini les trèfles, en fait. Non, dès que j'ai fini les cœurs, pardon, oui, je balance la prévente. Et dès que j'ai fini les trèfles, j'envoie tout ça chez Azao. Donc moi, je mets le reste. J'envoie chez Azao pour pas perdre de temps, quoi. Parce que c'est vrai que ce serait bien qu'on l'ait pour Noël et ça va être un peu juste, déjà. Deux ans que j'attends, il ne faut pas exagérer alors que certains ont des aides et en. Ils n'ont pas forcément besoin. C'est clair. Non, mais là, il faut quelqu'un de compétent qui s'occupe de toi, là, parce que c'est n'importe quoi. Attends.
J'espère qu'elle a très bien compris. C'est une nouvelle que t'as eue ou c'est toujours l'autre incompétente là? J'espère que c'est une nouvelle, hein. Donc voilà, je suis assez content d'avoir trouvé le moyen de mettre la belote. Parce que j'avais vraiment envie de mettre la belote, mais j'arrivais pas à trouver une histoire qui tient la route. Parce que l'idée quand même, c'est de raconter des histoires. Des histoires illustrées par les jeux de cartes. C'est un peu ça le but quand même. Alors, le but, c'est d'avoir une collection. Playable, comme on dit en anglais, donc avec lequel tu peux jouer. Et qui raconte une histoire qui est illustrée avec les cartes en fait. Donc plutôt que d'avoir l'histoire d'Aldo Aron qui se dévoile avec un bouquin, moi mon objectif c'est d'avoir l'histoire d'Aldo Aron qui se développe avec des jeux de cartes. Mais donc ça permet de raconter et de jouer un petit peu. Les intrigues, les événements, etc. via les petits jeux de cartes, quoi. Mais si c'est pas ton truc, tu peux aussi juste les collectionner parce que, enfin en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Ce sera des jolies cartes. Je pense qu'on n'a pas trop de problèmes avec cet aspect-là. Ok, j'aime bien ce qui se passe ici, là. Sur le brassard. J'aime bien ce qui se passe là. Alors, plutôt pas mal. L'incompétente a été remplacée par une mieux plus dynamique. Ah, dis donc. En revanche, j'ai vu mon rhumato mardi. Il m'a dit que j'ai eu de la chance de n'avoir rien au dos de ma chute la semaine dernière, car mon ostéoporose s'aggrave. Merde. Maintenant, je devrais faire des perfs d'une journée tous les mois. Fais chier. Tiens, oui, t'as du bol hein, quand même. C'est vrai qu'avec ton ostéoporose, surtout si ça s'aggrave, t'as eu du bol de. Après, c'est vrai que je pense que le dos était amorti dans le dossier. Avec les poignets derrière, ça a dû. Ton dos a pas tapé. Et ouais, la tête a tapé par contre. Putain. Parce que bon, le crâne est quand même fait en os aussi, quoi. Ok, on va mettre un petit coup de wash tout de suite sur les pierres là pour que. J'ai une autre gueule parce que là elle me plaise pour l'instant pas trop. Même si je sais que c'est la bonne direction, pour l'instant physiquement elles sont pas top. Ben justement, des fois ça fait plus de dégâts s'il n'y a rien dedans. Donc c'est que ta tête doit être bien pleine pour qu'il n'y ait pas de dégâts.
j'ai vu que ton papa avait eu sa seconde chimio. T'as vu ça où? Moi, la dernière fois que j'en ai parlé à ma mère, il avait eu... Non, ça n'avait pas démarré encore. C'est bizarre. T'as vu ça où? Ça m'a intrigué. C'est plus que moi, c'est quand même grave. Sur Facebook, elle a dit qu'elle devait attendre 3 heures. J'ai déduit que c'était pour la chimio. Ah bah, faudra que je regarde ça. Parce que ce compte Facebook ne me montre pas toute l'actu de ma mère, donc... Je sais qu'il devait y aller, mais je pense que c'est pour sa première plutôt. Parce qu'il devait attendre... Oui, non, parce que attends, je t'explique. Tu sais comment ça se passe, hein, c'est très réactif. Ils y ont été pour lui poser un truc sur ses veines ou je sais pas quoi là, la boîte là. Alors, je sais pas trop comment ça marche, moi j'y connais pas grand chose pour l'instant, j'ai pas... Donc, il y a une boîte à poser, c'était sur son bras ou je sais pas quoi là. Et en fait, sa veine est tellement abîmée qu'ils vont faire sur l'autre bras. Mais crois-tu que du coup ils se disent, bon bah allons-y, non, faut prendre un autre rendez-vous. Parce que sinon c'est trop rapide. Faudrait surtout pas que ce monsieur aille mieux. On n'a pas assez de lits pour que tout le monde aille mieux. Faut laisser une chance à la maladie de faire son travail. Ah putain. D'accord. Ah oui, ok, donc il plante ce truc là, il va rester là et après ils vont se brancher dessus. Bref, comme il avait déjà eu ça pour son cancer de la gorge, je pense, parce qu'il a déjà eu un cancer à la gorge. Du coup, c'était trop abîmé et voilà, il va se mettre de l'autre côté, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait tout de suite. Donc à mon avis, c'était ça qu'elle attendait 3 heures. Que j'ai dit de me dire dès qu'il y a du nouveau, donc si j'en sais pas plus, c'est qu'il y a, on en est là. Bon. Pierres sont trop blanches. Il va falloir. Bon, elles sont moins blanches en vrai. Hein. Là, ça pète à l'écran, mais en vrai, elles sont quand même un peu jaunes. On va aller en rajouter un petit peu de saleté. Hier, un petit remontant en attendant Alain. Depuis 12h30 que j'attends et on est encore pour 3 heures. Ouais, ok, ben j'ai pas vu ça. J'ai pas vu, merci Facebook. Ah ça, pour me montrer des conneries d'IA et tout, là ils sont forts, hein, mais pour me montrer l'actu des gens importants, là...
Personne. Ok. Bon, je vais m'occuper de ce morceau de métal là.
Ça souffle dehors, hein, dis donc. Se croirait fin septembre, quoi. Bon, je vais couper ce tout petit poil là, il m'emmerde. Un tout petit poil rebelle là. Allez, dégage. Ça tombe? Ah ouais. Ça n'a pas l'air de tomber si j'en crois le silence des récupérateurs d'eau. Par contre, ça buffle un peu. Les pêches se cassent la gueule dans mon pêcher. J'aurais dû les récupérer, mais bon, personne n'en fait quoi que ce soit pour l'instant. Et moi, j'ai pas le temps de faire de la confiture. Pas de confiture? Ben non, je veux pas de confiture. C'est Aurore qui fait la confiture d'habitude, mais là,
pas l'impression qu'elle a envie de faire de la confiture. Thank you.
Allez les yeux, arrêtez. Je vais me plaindre à la maîtresse. Maîtresse, mes yeux veulent pas faire le focus. C'est super difficile pour voir vraiment ce qui se passe sur sa tronche à lui. Hein. Entre les plaques en métal en forme de croc, les dents qui sont un petit peu mélangées. La pierre qu'il a sur le front. Ah, c'est un peu mieux comme ça. C'est de séparer un petit peu les dents des machins, des trucs, c'est pas évident. Quand même fait des dents, des yeux rouges, ça aurait été mieux quand même, non? Des yeux noirs. Peut-être des yeux noirs plutôt. C'est pas mal ça, on va laisser comme ça. Où est mon violet? Et quand je dis mon violet, je parle pas de mon daron, hein, je le laisse tranquille, hein, là il a autre chose à faire. Hein. Je parle de la couleur. Hein. Non mais ça y est, c'est bon, les œufs là, je suis tombé comme ça par hasard, je voulais les faire complètement noirs, en fin de compte j'ai fait une pupille, et ça bougera pas, c'est très bien comme c'est. Ok, alors, bon, alors, écoute, c'est pas mal ce qui se passe sur cette plaque là.
Oups. Ok, je sais plus quel numéro il a. Il y a quelqu'un qui a un visu sur le titre. C'est quoi le numéro du... de ce joueur? C'est 22? Je pense que c'est 22, mais je suis pas sûr. Ok. Je sais où je vais lui peindre son numéro. Alors, faut que je regarde un truc. P-E-R-A-R. Donc, la ligne est au milieu. Ok. Alors, on va passer du coq à l'âne avec l'anneau qui est derrière. Wow, 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 la maison va s'envoler ou quoi? Donc ouais, du coup, si vous voulez
aider un petit peu à ce que l'info circule sur Eldwaron, je vous invite à partager le dernier post que j'ai fait. Je vais le mettre un peu partout. Je l'ai mis sur Insta. Je vais le mettre sur... Je vais le mettre aussi sur Discord. Vous pouvez en vélo, hein, si vous aviez déjà partagé le sondage. Il n'y a pas eu beaucoup de votes sur le sondage en lui-même, mais beaucoup de monde qui m'a envoyé des messages en me disant s'il y avait moyen de payer à main à main, en fait, des gens en local, quoi. Donc, c'est là où je me suis dit que le sondage va pas servir à grand-chose. Surtout que tu vois Annick qui fait un like avec un cœur mais qui va en acheter 3. Du coup ouais voilà, le sondage est un peu faussé parce que moi ce qui m'intéresse c'est le nombre de paquets qui vont être achetés quoi. Pas forcément le nombre de personnes qui vont en acheter, tu vois ce que je veux dire. Il y a 150 paquets, ça peut aller vite. Hein. Si j'arrive à faire assez de bruit. Donc pour l'instant, c'est pour prévenir, parce que ça se prépare toujours un peu à l'avance, ce genre d'événement. Histoire que les gens soient sur les starting blocks. Et que dès que le truc s'ouvre, c'est parti quoi. Moi je vais perdre 4%. Quand même en chemin parce que PayPal se paye hein, quand même, donc PayPal se fait 4% quand même pour utiliser la plateforme et d'avoir un moyen de paiement sécurisé. Ça encore j'ai un petit peu moins de mal parce que c'est normal, il faut bien quand même tantôt on finit cette figurine tantôt je pense hein, large et si je finis cette figurine avant l'heure d'arrêter je pense qu'on passera au 8 de carreau, au 8 de cœur que j'ai commencé hein. Hop là, j'ai pas pu trop m'empêcher de bosser un petit peu hier donc j'ai vraiment un début. On va avoir 8 jolis casques bien brillants, bien rangés sur les petits stands et tout. Donc une carte un peu similaire de celle des orques mais en plus propre quoi, en plus rangé. Taron qui me dit t'as pas trop d'idées hein, c'est la même que les orques hein. Je dis justement c'est ça l'idée banane, c'est pour montrer un peu la différence qu'il y a entre les médiévaux et les orques. Et des orques bien bordéliques et puis des médiévaux qui sont bien carrés, bien. Ouais ouais. Oh on va te faire foutre. Des fois il me gave un peu lui avec ces genres de réflexions. Vive les teenagers.
Alors, est-ce que j'ai une petite brosse là? Oui, très bien. Mais il n'y a plus du tout de peinture là-dessus. On est d'accord. Ah bah si, si, si. Ah bah moi je partage. Hein. Par contre, tu peux garder la pluie, hein. J'en ai pas besoin. On laisse la pluie dans le nord. Ok, ça commence un peu à ressembler à quelque chose, hein, ce truc-là. Je n'ai même pas vu que tu avais dit que tu allais sûrement prendre plusieurs, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc je me ferai une belle petite feuille, bien propre. Alors avant de lancer le, bien sûr avant de lancer le lien PayPal, vous aurez un tableau pour les frais de port, hein, parce que là, là on parle seulement de la prévente du jeu en lui-même, mais il faudra rajouter les frais de port quand le moment sera venu de les envoyer. Et je ferai un petit tableau pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, bien sûr, pour les frais de port. Donc il y aura un tarif pour en envoyer un dans une petite enveloppe à bulles, machin. Et il y aura un tarif pour en envoyer plus. Je pense que ce sera le même. Il y aura sûrement un truc Colissimo. Donc après que ça soit 2, que ça soit 4, enfin jusqu'à ce que ça dépasse, faut pas que ça dépasse 500 grammes, après ça monte le tarif. Ah ouais, je vois la stratégie, c'est bien, moi c'est pareil, c'est exact. Moi j'en aurai 3 aussi. Je vais en avoir un qui va rester sous blister, je vais en avoir un qui va être dans un classeur et un pour jouer. Et ce sera pareil, je pense, pour tous les paquets. Ils sont bien, bien posés là, comme ils seront tous, ce sera tous des paquets de 54. Et ce serait marrant de faire le côté... je sais pas. Est-ce qu'on pourrait pas faire un des côtés... avec un bout de dessin, tu sais, puis que petit à petit le dessin continue à chaque paquet pour qu'on les mette les uns à côté des autres comme ça dans un endroit. Ça serait rigolo, un peu comme dans les bouquins avec un numéro. De toute façon, ça va être à travailler ça aussi. Hein. Ok, moi là j'ai trop envie de peindre, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette figurine. Sur certains livres, ouais, ça sera pour être rigolo. Donc je vais m'arrêter là pour ce matin. Je reviens tantôt et on bossera sur le gorgeon qui est là. Donc là il y a du boulot en métal. Ce que je me demande encore, c'est est-ce qu'il n'y a pas une partie rouge et une partie métal comme j'ai fait là. Parce qu'on pourrait faire en rouge la partie qui est en dessous et faire en métal les plaques qui ont été mises par-dessus, ça pourrait être sympa. Ça différencierait un petit peu quelques... Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'on voit bien qu'il y a une partie en dessous et après plein de trucs qui ont été mis par-dessus et je pense que c'est ce qu'on va faire. Sinon pour les pierres ça commence à venir un peu. Pas trop mal, ça s'intègre un peu mieux à sa peau. Je pense qu'on mettra un peu de vert dessus. Ouais. Je vais faire un petit peu de la vie vert dessus aussi pour les rendre un peu plus naturels. J'aurais peut-être pu centrer un peu mieux le 22, mais bon, ouais, ça va rester comme ça maintenant. C'est sur ce casque aussi qu'il a sur le coude. Le pantalon est pas mal.
peut-être pas assez sale, un petit peu trop propre peut-être le pantalon. Ok, faut que je bosse sur cette épaulette aussi avec les arêtes. Et j'ai pas du tout bossé sur les arêtes comme j'ai fait de ce côté-là, donc ok. On est bien Tintin, on est bien. Ok, faut bosser aussi sur ces écailles hein, de la même façon que j'ai travaillé là-dessus. Tu finis cet après-midi? Ouais, je finis la figurine cet après-midi, comme je disais tout à l'heure, et si je la finis avant 16h15, on continuera avec le 8 de cœur. Alors, tu n'es pas en cours? Je pense pas avoir un cours cet après-midi. Faut que je vérifie, mais je pense pas. Non, parce que non, Amandine vient le vendredi, donc non, j'ai pas de cours. J'ai pas de cours cet après-midi. J'en ai un de 6 à 7, donc ça n'interfère pas le truc. Voilà. Donc, ben écoute, j'ai envie de dire merci à Rico qui a resub ce matin. Alors je sais pas si c'était automatique ou s'il était là, mais je pense qu'il était là parce qu'après il m'a plus trop rien dit. Ou qu'il a dû faire ça vite fait entre deux réunions. Donc merci pour le resub, merci à Manu bien sûr et à Kyle Dehorn d'être passé. Merci à Mr. Sicker aussi qui est passé dire bonjour. Moi je vous dis à tout à l'heure, on va faire un petit raid quand même à qui Slan Meta, tiens. On va aller voir Slan Meta qui est en train de faire de la BD. Allez-y. C'est pas souvent que je vais voir Slan Meta, donc on va aller voir là-bas. Hortensia aussi bien sûr, Hortensia qui est passé aussi, qui est peut-être toujours là, je sais pas. Donc merci à vous, merci pour votre soutien avec mon jeu de cartes bien sûr, la collection, c'est vrai que là ça m'absorbe complètement le cerveau, donc je suis à fond dedans, et mais je vais envoyer les trucs que je suis censé envoyer à Pierre et Paul et Jacques, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, mais là ouais je voudrais bien finir avant, donc je finis avant et puis j'envoie tout ça, il n'y a pas de souci. Donc des bisous, bon appétit, mangez bien et à tout à l'heure. Bisous, salut.